ils ont déjà eu des indépendants. Oui, c'est ce qui ont lingi qu'aux anabonsomi, ils ont une bamboko au basili qu'aux voyagol. Et puis ce qui lingi qu'au sala loco la bambo. Genèse 4 verset 3 à 7. Genèse aminei molonga botangi amisa tokino sambo. Au bout de quelques temps, si manamwa tango, ok. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn a salé la kina Yahweh likabo kouta nambuma kouta namabele. Et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Be Abel a salé kina ngambo na ye kouta na oyabota makiyambo na kati na bibuele na ye. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Yahweh a sepe la ki nambeka Abel pe a sepe la ki na ye. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. A sepe la ki na Caïn a tepe na oye a pesaki. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn a tomboka ki na kanda pe longi na ye moni sama ki na mawa. Et l'Éternel dit à Caïn, pe ya waloba ki na Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pona nini yo siliki boye. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Merci. Et maintenant, toi, Esprit éternel, t'emparer de nous, parler par nous, et par ton peuple. Rends la parole vivante, vivante, pour la gloire du Père, nous, Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est la propagande. Nous avons vu le vendredi. En prenant cette écriture, nous avons dit que nous parlons sur un petit titre que nous appelons « Faites comme ton frère ». Vendredi, on avait vu comment Caïn et Abel ils étaient allés pour adorer. Et on a vu que Dieu a porté son regard favorable sur l'offrande d'Abel. Parce que là, il y avait un cri de mort. Dieu voulait que la mort soit payée pour comme rançon pour le péché. Nous avons vu que la manière dont Dieu a agi une fois, il doit agir de la même manière pour toujours. Ou s'il change de manière, c'est que la première fois il s'était trompé. Mais Dieu ne se trompe jamais. S'il a donné l'indépendance à quelqu'un sur une certaine base, quiconque vient sur la même base et reçoit son indépendance. Si jamais un homme vient à Dieu et reçoit le salut, la base sur laquelle Dieu l'a accepté, ce doit être accepté sur cette base chaque fois. Si quelqu'un vient à Dieu pour recevoir sa guérison, et Dieu l'accepte de le guérir sur une certaine base, la personne suivante qui viendra sur la même base, Dieu la guérira. Et chaque personne qui viendra sur la même base, Dieu la guérira toujours. Parce que Dieu ne se trompe pas, ses voies sont parfaites. Voilà pourquoi je vais relire encore Jérémie 6:16. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens.
Banzela ya kala kala wapi yango? Quelle est la bonne foi? Zela ya malamu wapi yango? Et marchez-y. Pe yo tambola kati na nzela yango akala. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Pe okozwa bopemi ya bomotono ya kati. Mais il répond. Kasi bazeko ya nola. Nous n'y marcherons pas. Toko tambola kati na yango te. Vous n'avez pas à fabriquer votre nouvelle voie. Yo osengeli te kosala ya yo nzela ya sika. Je vais prendre la voie compris ceux qui ont été libérés. Osengeli ko kamata nzela lokola baye bazanga bonsomi ba kamataki. Dans la marque de la bête 61, Frère Branham dit ceci. Katina na lité à marque de la bête, il y a 61. Au point 21, au point 60. Il dit, mais rappelez-vous. Dieu a dit à Caïn. Adore comme ton frère. Et tu agiras bien. Mais il n'a pas voulu le faire. C'est le cas aujourd'hui. Ils ne veulent pas adorer comme ne veulent pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils veulent simplement fréquenter l'église et adorer comme l'église dit. Adorer ce que Dieu a dit d'adorer. Jésus a dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai. Mettez l'esprit et la parole ensemble. Amen. Et si l'esprit est dans la parole, la parole se manifestera. Amen. C'est exactement cela. Et quand Dieu a parlé à Caïn, Dieu lui a dit, va simplement là et adore comme ton frère. N'apporte pas de fruits. Apporte un agneau. Agenis-toi ici. Et adore comme ton frère. Tu agiras bien. Fais comme ton frère. Et tu seras en ordre. Nous allons voir des frères qui ont fait certaines choses. Et qui ont accédé à la présence de Dieu. Et nous allons essayer de faire comme eux. Parce que leur voix est une voix que Dieu a déjà agréée. Amen. Fais comme ton frère. Et tu feras bien. Et tu seras en ordre. Nous avons vu le vendredi, Dieu a dit à Caïn, je n'ai rien contre toi. Dieu aimait Caïn. Et si seulement tu peux faire comme ton frère, je te recevrai. Je te bénirai. Parce que j'ai déjà agréé cette foi. Même si tu n'es pas de ma lignée, parce que Dieu lui est lié à sa parole. Comme il a dit, demandez, vous recevrez. Un jour, les démons ont dit, nous allons voir si cet homme est fidèle à sa parole. Ils ont dit, permets-nous d'entrer dans ces pourceaux. Toi, tu as dit, demandez, vous recevrez. Jésus n'a pas dit non, comme vous êtes des démons, je ne vous réponds pas. Il s'est souvenu qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Et les démons ont demandé, et Jésus leur a accordé l'objet de leur requête. Parce que la voie que Dieu a déjà tracée, Dieu ne se répand pas de ses voies. La voie que Dieu a déjà agréée, Dieu l'agrée pour toujours. Ce matin, je vais essayer de parler de la présence de Dieu et des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Quand on prêche un message, il est une large, un type de Christ. Voyez avec moi, je commence le message. L'indépendance commence. 150 à 150. Remarquez quand il est entré, la Vierge d'Aaron a été aussi placée
là dedans et est là pour jeûner. Une vieille verge qui était morte. Une canne. Un bâton. Pas plus que ce morceau de bois que vous voyez ici. Et que dont toute la vie s'en était allée. Katinayamo, Bobo Imobimba, et Kendaki Peka Ukaki. Un morceau de bois sec au possible. Et teni nanzete koni. Bakoni kostana moto. Mais kasi. Une fois placé dans ce lieu saint, dans la présence de Dieu, cette verge est revenue à la vie. Pendant que je parle de ce morceau de bois sec, ne restez pas dans la forêt. Et tout pécheur, peu importe combien votre vie a été morne et sombre, peu importe, c'est-à-dire peu importe. Peu importe combien votre vie a été sombre et morne, dans la présence de Christ, vous vivrez de nouveau. Amen. Vous fleurirez. Vous vous épanouirez. Et vous serez nourri de l'esprit. Ne pensez pas au bois. Peu importe combien vous êtes malade, vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Écoutez ça, mes amis. Quand on parle de la présence de l'expiation, il dit, quelle merveille. Quelle chose nous sommes en train de considérer. Quelle écriture, quel Dieu, quelle fondation sûre. Tout le reste n'est que du sable mouvant. Dans la présence de l'expiation, que vous soyez malade, plus malade, que vous soyez pécheur et plus pécheur, ce matin, pas demain, ce matin, quelqu'un va être libéré. Oui, mes frères, approchez cette présence avec sincérité. Quelque chose se passe à quelque part. Amen. Amen. Quelle écriture du communion. Quel Dieu. Quelle merveille. Quelle chose nous sommes en train de considérer. Quelle fondation sûre. La présence de l'expiation, c'est la fondation sûre. Quel Dieu. Quelle écriture du communion. Quelle chose merveilleuse! Quelle merveille! Quelle fondation sûre! Amen! Dans la présence de l'expiation. Il prêche un autre message. Je place ma fondation. Une vie cachée. 6 octobre 1955. Point 42 à 43. Il dit, eh bien, quand cette vieille verge morte
était amené à, là à l'intérieur et déposé dans la présence de Dieu lui-même, qu'arriva-t-il? Elle bourgeonna. Je vois quelqu'un bourgeonner ce matin. Je vois une affaire bourgeonner ce matin. Je vois une santé bourgeonner ce matin. Amen. Et le bourgeonnement est fait sorti des bourgeons et portant des fruits. Ça ne demande pas des mois et des années. Ça demande d'entrer dans la présence. Et de l'expiation. Quelle merveille! Quelle écriture, quel Dieu, quelle fondation sur gloire à Dieu. Amen. Il dit, cette verge d'Aaron était une branche de l'amandier. Qui avait été coupé de l'arbre. Et parce que c'était coupé, ça a séché. Il en est de même des hommes et des femmes qui ont été coupés de Dieu par le péché. Baye. Ce matin, toutes les branches qui ont été coupées de Dieu par le péché, nous allons les ramener dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, ce matin, quelqu'un va bourgeonner. Amen. Maintenant je vais parler de la présence de Dieu pendant quelques minutes. Si vous saisissez ça, vous êtes déjà dans l'indépendance. Vous pouvez payer cette dette. Vous pouvez régler cette affaire. Vous êtes en parfaite santé. Les choses vont changer. Dans la présence de l'expiation, dans la présence de Dieu, les choses changent. Dans cette présence, vous pouvez y amener quelqu'un, même s'il n'est pas ici. Si vous l'amenez dans cette présence, là où il est, quelque chose se passe. Oui, mes frères, écoutez. Est-ce que la présence de Dieu? Oh, je me sens très bien. Dans le message, quelles sont les œuvres de Dieu? Amen. Amen. 48 à 49. Je parle de la présence. Je ne parle pas seulement de la présence. J'amène la présence. Je vous introduis dans la présence. Même si vous ne le voulez pas, Amen. Amen. Oui, mes frères. Même si vous ne le voulez pas ce matin, en tant que votre pasteur, j'ai le pouvoir de vous y amener de force. Et nous avons entendu parler des grands personnages de Dieu. Nous avons entendu parler du docteur Price, de F.F. Bosser, et des grands saints qui ont vécu avant la venue de ce jour, qui ont vécu avant ce jour, tous
attendaient et ont prophétisé concernant la venue de ce jour. Écoutez la promesse de ce jour. Ce jour où l'église recevrait la manifestation de la présence de son sauveur. L'église Ecclesia devait recevoir la manifestation de son sauveur. Son sauveur parmi eux, dans une plus grande portion de celle qu'ils avaient reçue dans d'autres temps. Dans ce temps-ci, l'église a la promesse de recevoir au milieu d'elle la manifestation de la présence de son sauveur. Après avoir dit ça, il fait une prière. Il dit, oh Seigneur, écoute-moi. Réponds à mon humble cri. Comme je t'ai pris, Seigneur, et ces hommes et ces femmes ne pense et que ce ces femmes ici présentes et partout ailleurs, ainsi que ceux qui se rassembleront, êtes-vous avec moi? Que les hommes et les femmes qui étaient là présents, qui sont ailleurs, et ceux qui vont se rassembler à Founa, puisse-t-il, Seigneur, qu'il ne pense pas que ça c'est un simple homme. Amen. Amen. Qu'il ne pense pas que ça c'est un simple homme. Parce que la promesse, c'est que l'église recevrait la manifestation de la présence de son sauveur. Et ces hommes et ces femmes ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Oh mes frères bien-aimés, quand vous voyez cet homme, c'est la manifestation de la présence du sauveur. Oui mes frères, écoutez, dans cette présence, la Vierge qui était morte reçoit la vie. Dans cette présence, même si vous êtes coupé de Dieu, même si vous ne le voulez pas, je vous y amène de force. Ce matin, la Vierge morte doit recevoir la vie. Ce matin, quelque chose doit se passer ici. Votre vie doit changer. Vous devez bourgeonner. Vous devez fleurir. Vous devez porter des fruits. Pourquoi? La manifestation de la présence. Oh mes frères, un morceau de bois sec sans promesse amené dans la présence de Dieu pour jaune fleurir et donne des fruits. Mais toi qui as la promesse, tu es dans la présence de Dieu, même si tu étais sec ou plus sec. Tu reçois la vie ce matin. Oui mes frères, tu reçois la vie ce matin. Est-ce que tu le veilles ou pas? Oui mes frères. Amen. Écoutez, que ces hommes et ces femmes ne pensent pas que ça c'est un simple homme.
homme. Ce n'est pas un simple homme. C'est la manifestation de la présence de Dieu du Sauveur dans une plus grande portion. Dans cette présence, les hémorroïdes disparaissent. Dans cette présence ce matin, la tension s'est stabilisée. Dans cette présence ce matin, même le cancer disparaît. Attaque cancer. Si vous aimez quelqu'un diffuser quelque part, amenez-le par la foi dans cette présence. Peu importe sa condition. Parlons encore de la présence. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle encore de la présence. Alors que la présence est en train d'être là. Amen. 65. C'est un message de 63. Était en 1963. Il dit, mais alors, à le bien cassé, si nous ne cherchons pas ce genre d'homme-là, ce ne serait donc ni par sa robe, ni par sa taille, parce que si le Sauveur était ici, il serait comme nous. A Kozala. Il n'y avait aucune différence. Si le Sauveur était ici, il serait comme nous. Il n'y avait aucune différence. Il était vêtu en ce temps-là. Il marchait parmi les hommes. Exactement comme l'étaient les autres hommes. Il n'était pas vêtu comme le clergé de ce jour. Il était vêtu simplement de la robe ordinaire de la rue. Ainsi. S'il vient ici, il serait simplement vêtu des habits ordinaires et probablement d'un costume. Et tout le reste, naba pantalon, naba cravate. Comme n'importe quel homme le serait vêtu aujourd'hui. Et cet homme, c'est la présence du Sauveur. Amen. Maintenant, pour votre réconfort, je descends avec la présence. Amen. Nazali Sika Kokita. Assoyez-vous bien. Assoyez-vous bien. Sikawa, to komina turbulence. Kanga mokaba malamu. Le Dieu condescendant. Zambe oyo azali ya kokitana. Je suis dans le message, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Nazali katena liteya kolati sama na bibundeli nyoso ya Nzambe. Du 7 juin 62. Et quelqu'un est avec moi? Moto je suis encore dans la présence. Nazali nano katina bozali moko wana. Il dit bon, madame, Dieu a fortifié son armée. Zambe
Connaissez-vous son armée? C'est l'église. Dieu a fortifié son arme. Avec quoi? C'est lui qui pose la question. Et il répond. Dieu a fortifié son armée. Avec lui-même. Sous forme. Des prophètes. Virgule. Akati. Et voici. Avec lui-même, Nayemoko, sous forme de prophète. Virgule. Abeti, Lioyo Bakokiko Bakisa, des apôtres. Bantoma, virgule. Akati Ponako Bakisa, des docteurs. Balakisi, et des pasteurs. Bakengeli. Dieu a fortifié son armée avec lui-même sous forme des prophètes, des apôtres, des docteurs et des pasteurs. Dame a pesinguya na lipinga na ye na ye moko na lolenge ya basakoli ya bantoma balakisi pe qu'a-t-il fait à Salikoline? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez. Il dit, avez-vous déjà pensé à ce que sont ses offices dans l'église? Bossi la kobanza. Soki misala ya mwe za la kanini kat na eglesia. Prophète. Bossakoli. Évangéliste. Pasteur. Avez-vous déjà pensé? Aussi la kobanza. Il répond. Ses offices, misala yango, c'est le vêtement de Dieu. Amen. Yamonde molato yanga na yanzambe, un vêtement intérieur de Dieu. Elamba ya kolatisa nzambe na kati. Qu'est-ce? Nini yango? C'est Dieu revêtu de son église. Ezali nde nzambe. Il dit, ses offices, c'est le vêtement de Dieu. Maintenant écoutez, quand vous voyez ses offices, pasteur, docteur, évangéliste, c'est le vêtement de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et cela opère à travers un homme. Amen. Amen. Maintenant, si cet office relie une partie de la parole, boye, soki mosala yango, yango e yangani moko na liloba na nzambe. Alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. Wana zali elatelo ya nzambe te. Alors ce n'est pas la présence de Wana zali bosa na nzambe te. Mais un office qui croit toute la parole qu'il apprend, mosala oyo tolo tomo na kondima liloba na mobimba, c'est la présence de Dieu. Wana zali bosa na nzambe, c'est le vêtement de Dieu. Ezali elatelo ya nzambe. Amen. Êtes-vous avec moi? Maintenant que la présence de Dieu est là, comme ça il s'est fait comme ton frère. Un jour, je commence à parler. Un jour, il y avait une femme de mauvaise vie. Son nom c'était Marie de Magdala. Elle était une prostituée. Alors que Jésus était chez Simon le pharisien. Et qu'il était négligé là-bas. Et que personne ne s'occupait de lui. Cette femme qui passait en quête d'un client. Moi, je suis là. Et toi avec moi? Elle n'avait pas cessé l'adultère. Elle était en quête d'un client. Sachant qu'il y a la fête, elle était allée pour tendre un piège à avoir un client. Yeah, Et
Et jetant un coup d'œil dans la fête, et la vie à notre invité qui était négligé quelque part dans la terre. Elle a reconnu la présence de son sauveur. Elle est allée vendre tout ce qu'elle avait. Elle a payé le parfum le plus cher. Par un moyen ou par un autre, elle s'est faufilée. Je parle de la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, cette femme est entrée dans la présence de son sauveur. Elle a reconnu son péché. Elle a versé de l'âme de repentance. Amen. Amen. Elle a regretté son péché. Elle a pleuré aux pieds de Jésus. Elle a mouillé ses pieds avec de larmes. Maintenant, dans la présence de Dieu non reconnu. 101. Et Jésus la regarda et lui dit: de nombreux péchés te sont pardonnés. Va en paix. Qu'est-ce? Elle a reconnu son occasion. Elle a reconnu la présence de Dieu. Elle a vu cela et a reconnu la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence a fait? Ça a lavé cette femme. C'est ce que fait la présence de Dieu. Si vous y êtes ce matin, même si vous avez été coupé de l'arbre, vous êtes sec au possible. La présence vous lave. Qu'est-ce qui fut libéré pour elle par la présence? La présence a libéré le pardon. Cela libéra pour elle le pardon de ses péchés. Qu'est-ce que cela a fait encore? Cela libéra aussi la puissance de Dieu. Cela libéra aussi la joie, la puissance et la vie éternelle. C'est cela qui fut libéré quand cette femme pécheresse est entrée dans la présence de Dieu. Maintenant, Branham dit au point 109, beaucoup de gens, vous allez dire, si j'avais été là, je serais allé dans sa présence et j'aurais été pardonné de mon péché. Beaucoup de gens ont le même privilège aujourd'hui que cette femme-là. Ils ont le même privilège de se tenir dans sa présence comme firent ceux d'alors. Amen. Donc vous n'avez pas envié Marie de Magdala. Vous avez affaire comme elle. Reconnaître sa présence. Servir sa présence. Êtes-vous avec moi? Reconnaître sa présence. Servir sa présence. Sa présence fera pour vous la même chose. Cette présence qui a été promise aujourd'hui, la manifestation de la présence du Sauveur, dans une plus grande mesure que dans tous les autres âges. Amen. Amen. Oh, vous savez, je vous ai montré ce que Jésus était et ce que sa présence est maintenant. Qu'est-ce que sa présence est maintenant? Il est censé revenir dans ces derniers jours. Nous le savons. Dans la chair humaine. Et se faire connaître lui-même de la même façon.
maintenant, pour votre réconfort, pour la compresse de nos picots, je vous dis ceci en son nom, à l'obéli de nos camboys, à combo la Yesu. Il est ici. Azaliawa. Amen. Amen. Quand il est ici, c'est pour faire quoi? La même chose qu'il avait fait autrefois. Parce que si une pécheresse entre dans sa présence et il pardonne, cette voix-là, Dieu fera la même chose chaque fois. Si Dieu change sa manière aujourd'hui, c'est que la première fois il s'était trompé. Mais Dieu ne se trompe pas. Si sa présence a libéré le pardon, si sa présence a lavé une pécheresse, elle fera la même chose aujourd'hui. Fais comme cette femme. Si tu es un pécheur, tu n'as besoin que d'une chose, de frayer la voie vers sa présence. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme qui était paralysé. Il ne savait pas quitter son lit. Mais vous savez que la paralysie, c'est l'incapacité de marcher. Je veux dire de progresser. C'est l'incapacité d'évoluer. Maintenant, lui ne savait pas se déplacer pour aller dans la présence de Dieu. Ses frères ont appris que la présence de Dieu était dans leur ville. Ils ont pris le lit. Ils l'ont amené vers la présence. Quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup d'obstacles. La salle était pleine, pas moyen d'entrer. Ils ont dit pour entrer dans la présence. Parce que si notre paralytique arrive dans sa présence, non, il va bourgeonner. Alors nous devons faire tout. Ils ont monté sur le toit sans permission. Ils ont fait la violation des domiciles. Êtes-vous avec moi? Non, s'il faut amener votre parti dans la présence de Dieu, même s'il faut violer le domicile. Amen. Ce qui est Ezali pour la commune, mon cas Katalina Bozalanzambe. Ils ont arraché les tonnes. Ils ont arraché les tonnes. Je peux voir Jésus là-dedans. Lui, quand il dit je peux voir, il voyait effectivement. Je peux voir Jésus là-dedans. La poussière lui tombe dessus. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous entendez la comme. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, pour faire descendre un homme sur les lits, ce n'était pas une petite ouverture. C'était beaucoup de dommages. Mais leur problème, c'est que notre paralytique arrive dans la présence. Et quand ils ont fait descendre cela, ils ont calculé qu'il n'aille pas devant Jacques. Amen. Bango, Bazala qui est un vrai physicien, Bango y était, et quoi en angambo à Jacques? Non, qu'il n'aille pas devant André. On devait l'amener dans la présence. Parce que moi qui n'a pas là où il verra, je peux bourgeonner. Et quand il est descendu dans la présence, écoutez les premières paroles. Mon enfant, moi non, tes péchés te sont pardonnés. Masumu na yo nyonso elimbisani. Alors prends ton lit
Lève-toi, Téléma, et marche, Tambola. Non, ce matin, si vous entrez dans sa présence, que soit la paralysie, vous lever et marcher de nouveau. Je crois ça de tout mon cœur. Oui, mon frère, ma soeur. Lève-toi, ton lit. Lève-toi. Téléma et marche. Tambola. Il est venu porter sur les lits. Aya qui va me marquer la bête. Quand il est entré dans la présence de Dieu, il est sorti transportant les lits. A Téléma a mis une bête là. Parce que dans la présence de Dieu, tout change. Et l'église avait la promesse qu'elle les recevrait la manifestation de la présence de son Sauveur. Oh Seigneur, que ces hommes et ces femmes ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Quelle écriture du communique. Quelle merveille! Amen! Quelle fondation sûre! Quelle promesse! Quelle est ta situation? Quelle est la forme de ta paralysie? Qui est paralytique? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Fais tout pour l'amener dans la présence! Arrache toutes les toiles de doute! Enlève toutes les toiles d'incrédulité. Fraye-toi un chemin vers sa présence. Je crois de tout mon cœur. Une vie va bourgeonner maintenant. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Il y avait une autre fois. Il y avait une femme. Une petite mère mexicaine. Alaki, maman moko ya moke, ya mboka na Mexique. Son bébé était mort. Bébé na akufaki. Le médecin avait écrit mort. Baminga nga bakomaki na attestation to benga yango de mort. Au lieu d'amener son bébé au cimetière, ou à la maison funèbre, elle savait que la présence était là. La manifestation du Sauveur dans une plus grande portion. Elle a pris son petit bébé dans le couverture. Elle est allée avec son petit bébé, avec le certificat du médecin, où c'était écrit mort. Ce matin, ne restez pas au Mexique. Soyez avec moi ici. Tu peux avoir un bébé mort ce matin. Une petite affaire morte. Une santé en dégradation. Tu as ton bébé mort dans les couvertures. Écoutez, Boka. Elle s'est faufilée. Akuta kebele na bato. Paye wana zeko douso la bato. Est-ce que vous sorry. Sorry. Azeko douso la bato. Est-ce que vous y êtes? Bon, zekolanga. Elle s'est faufilée. Paye ali kati na douso la bato. Elle sautait d'autres personnes. Paye azeko pumbuka bato mosusu. Elle entendait les jambes d'autres personnes. Paye akuta na makora bato mosusu. On voulait la retenir. Il n'y avait rien pour la retenir. Elle n'a pas été mise là. Parce qu'elle savait. Paye taye baki malabo. Si son bébé mourra dans la présence, il reçoit la vie. Il va bourgeonner. Amen. Elle a tout fait. Elle est entrée dans cette présence. Et son bébé est revenu à la vie. Puisse ton bébé revivre ce matin. Toi dont la matrice est desséchée, puisse cette matrice être féconde de nouveau. Quel que soit ton bébé mort, dans cette présence, je crois qu'il est ici. Le croyez-vous avec moi? Oui, mes frères. Solo bandeko. Son bébé était mort. Bébé na yaza kia kokufa. Vous savez, même Moïse. Moïse. Il
Il avait un petit bout de bâton. Il n'aurait rien fait avec ce bâton. Mais quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, avec des petits bâtons, il a fait des grands exploits. Même si tu as 20 dollars, entre avec dans la présence de Dieu, avec des petits bâtons. Quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, et qu'il en est sorti, il a fait des exploits avec le petit bâton. Non, la présence de Dieu change quelqu'un. Elle change toute chose. Frère Branham dit dans le message, la présence de, dans le message, dans sa présence, il dit au Père Nanand, il dit mais je vais aussi parler un peu de moi-même. Amen. Êtes-vous prêt maintenant? Je vais un peu parler de moi-même. Il n'y avait rien de plus méprisable que moi. Il n'y avait rien de plus méprisable que moi. J'étais où? Dans une famille d'ivrognes, une famille de meurtriers, une famille de contrebandiers. Vous êtes tous au courant. Et en ville, si je commençais à parler à quelqu'un et que quelqu'un d'autre arrivait, on me quittait. Êtes-vous avec moi? Je voudrais parler un peu de moi-même. Personne ne me parlait à moins qu'il n'y ait personne d'autre aux alentours. Quand quelqu'un d'autre arrivait, celui qui me parlait me quittait. Il dit, et je restais seul là. Oh, je pleurais en disant, Seigneur, mais ça ce n'est pas vrai. J'ai fait de mon honte aux gens. Les gens ont honte de se tenir avec moi. Les gens ne veulent pas parler à moi. Mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Amen. Il m'a changé. Et il a fait de moi un autre genre de fils. Sa grâce m'a connu dans sa présence. Et depuis lors, je n'aime jamais quitter cette présence. Depuis lors, je désire donner toute ma vie à son service. Oh, je souhaiterais avoir encore 10 000 vies à lui consacrer. Moi, que les gens ne vou- à qui les gens ne voulaient pas parler. Imagine-toi, tu vas approcher quelqu'un, il se calme. Personne ne veut parler avec toi. À cause de la réputation mauvaise de ta famille. Il dit, mais quand je suis entré dans sa présence, oh, une fois dans sa présence, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui pouvait aimer l'indésirable. Si tu es méprisé ce matin, si personne ne veut avoir affaire avec toi, fais comme Branham. Entre dans la présence de Dieu. Tu commenceras à avoir besoin de la police pour avoir du repos. Bagarde du corps. La police. Tu commenceras à fuir les gens pour avoir un peu de repos. Ne t'inquiète pas. Ne va pas chercher les gens. Va seulement dans la présence.
Les gens vont te chercher. Tu auras besoin d'un peu de temps pour le repos. Mais madame dit, quand je suis entré dans sa présence, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait quand personne d'autre ne m'aimait. Vous savez, très souvent, nous aimons quelqu'un quand il a les moyens. Et nous aimons quelqu'un quand il est dans la voie correcte. Mais quand quelqu'un tombe, non, vite. Non, si tu es tombé ce matin et que personne ne veut t'approcher, dans la présence de Dieu, tu vas découvrir qu'il y a quelqu'un qui peut t'aimer et il n'y a personne pour t'aimer. Personne pour t'aimer. Et maintenant, me dit, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui s'est soucié de moi quand personne ne peut prendre soin de moi. Alors, j'ai mis mes bras autour de sa croix. Je l'ai serré contre moi. Et moi et lui, nous sommes devenus un. Il est tellement entré dans la présence. Il est devenu lui-même la présence. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est l'exacte vérité, mes frères. Il dit, quand je suis entré dans sa présence, oh, je me suis trouvé en sécurité. Heureux dans son amour et sa grâce. Et je vis d'amen et d'alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand il a fait cette expérience, je commence l'atterrissage. Quand il a fait cette expérience, découvrir qu'il y a quelqu'un qui peut l'aimer quand personne ne pouvait l'aimer, qui peut prendre soin de lui quand personne ne se souciait de lui. Fort de cette expérience, il dit, je le recommande à l'obi, nazali ko senga, à toute personne fatiguée. Nazali ko pesa ena moto nyonso alende. Je recommande cette présence. Nazali ko pesa botali yango. À toute personne fatiguée. Na moto nyonso alende. Je le recommande. Na pesi. À vous qui n'avez pas d'espoir. Je le recommande. À vous qui n'avez pas d'espoir. Si le médecin vous a abandonné, si la famille vous a rejeté, si les amis vous ont abandonné, je le recommande, je vous le recommande. Si tout n'a rien n'a marché, si tout est par terre et que vous êtes sans espoir, je vous le recommande. Rebanam dit, vous qui n'avez jamais été dans sa présence, la seule chose à faire, c'est de confesser vos péchés et de réaliser que vous êtes dans l'erreur. Si vous réalisez ça, écoutez la suite. Si vous confessez vos péchés et reconnaissez que vous êtes dans l'erreur, Dieu a ordonné à cet ange, appelez le Saint-Esprit. Dame, appelez-y mitin dans la moins joyeux. Comme on a eu mon livre, mon santo. Enlevez vos péchés. Et yé, allons la masoumou na yo. C'est pas un homme qui va enlever ton péché. Et allez, mon tonnerre, allons la masoumou na yo. Un homme va vous compter le péché, même que Dieu ne vous compte pas. Moto, à potanga la yo masoumou, à ta en samba tanga kate. Il va vous compter le péché que Dieu ne vous compte plus. Akotangela yo masumu nzambe ayebi yango kutu lisusu te. Amen. Amen.
Oh mes frères et sœurs. Oh bande konanga ibali pe basi. Un soir, pourquoi mon corps? Abraham est entré dans une rue. Il dit, je me suis tenu juste là. Alobi. Nayaki pena telemi kakawana. Sans dire un mot. Nabimisa ki ata ite. Il dit dans moins de 5 minutes. Alobi. Minute mitano zake bele. Les sourds et les muets parlaient, voyez. Baka katani. Bemimi. Baye bayo kakape balo bakate. Les gens quittaient les fauteuils et les chaises roulantes. Les paralytiques marchaient. Il dit, et les chaises roulantes ont été empilées dans un coin. Sans dire un mot, juste me tenir là. Frère Branham dit, un homme est ce que sa parole. Moto. Un homme est ce que sa parole. Moto azali, oyo liloba na ezali. S'il ne se tient pas ici dans son corps, ce qui a tellement à wakati na nzoto na yete, sa parole est ici. Amen. Liloba ya Branham ezali awa. Il dit, juste me tenir là. Les gens guérissaient. Les chaises roulantes abandonnées. Tu peux abandonner ta chaise roulante. Tu peux abandonner ton fauteuil roulant. Tu peux guérir maintenant même. Le tout dépend de l'attitude. Juste me tenir là. Est-ce que c'était la manifestation de la présence du Sauveur? Comment ni sama ya bozali ya mobikisi dans une plus grande portion na epimelo ya monene koleka. Que ces hommes mibali oyo et ces femmes ne pensent pas batika la kobanza te que ça c'est un simple homme. Et te oyo azala ki moto lokola bato nyonso. Non, si vous réalisez ça te soki oyebi yango bana ma dit dans le message. Dans le message, la cité, et qui est Dieu? Il dit le même Dieu qui, au commencement, avait libéré des semées les étoiles. Les étoiles, la lune et tous ces choses. Et le même Dieu, le même créateur de la Genèse, est ici dans la chair humaine. Il dit, ce n'est pas étonnant que quand les gens le réalisent, quand les gens prennent conscience de cette vérité, les paralytiques marchent. Ce matin, vous n'avez pas besoin d'une imposition des mains. Ce matin, vous n'avez pas besoin d'une prière spéciale. Vous avez besoin d'entrer dans la présence de Dieu. De reconnaître cette présence. La manifestation de la présence du Sauveur. Oh mes frères. Ce que j'ai dit là, j'étais dans appelé Jésus sur la scène de 64. Là où il dit, au point 19, je suis allé à la réunion. Je n'ai pas fait 5 minutes. Il n'y avait plus eu une personne faible sur les lieux, nulle part. Les fauteuils roulants et les chaises étaient poussées, empilées de côté. Juste par le fait de me tenir là. Quelle écriture, mes amis. Quel Dieu. Quelle merveille. Quelle fondation sûre. Un soir, lors d'une réunion, un pilote païen
Mokumbi pepo mo pagano qui n'était même pas un chrétien. Il était tombé avec l'avion. Il s'était brisé les genoux et les pieds. Et ses jambes étaient ankylosées. Quand il est arrivé dans la réunion, il n'était même pas un chrétien. Il a vu la présence, la manifestation de la présence. Quand on l'a ramené dans sa chambre, il était assis sur son lit. Il commençait à penser à la réunion. Il s'est dit en lui-même, je ne sais pas trop bien pourquoi, mais j'ai foi dans ce gars qui a prêché cet après-midi. Juste pour avoir pensé ça à lui-même, les orteils ont commencé à bouger. Il s'est tenu debout, les jambes normales. Il a commencé à faire comme ça. Il a commencé à bouger les jambes. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu la présence. Oui, mes chers amis. Oh, dans cette présence, beaucoup de choses se passent. Un jour, en Afrique du Sud, après une grande réunion où la présence inondait l'auditoire comme maintenant. C'était à la fin de la réunion. La réunion était terminée. Les gens sortaient. Et Frère Branham était resté à la chaîne. Il s'appuyait comme ceci. Alors que les gens sortaient et que la salle s'est vidée, un homme est venu sur les béquilles. Il est venu à l'entrée comme cela. Il s'est tenu comme ceci, appuyé sur ses béquilles, regardant simplement Frère Branham à la chaîne. Il ne disait rien. Branham ne disait rien. Juste le regardait. Quelques temps après, il jette les béquilles. Il est sorti marchant, parfaitement guéri. Je crois que ce matin, tu peux jeter les béquilles. Je crois que ce matin, tu peux laisser les béquilles. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. C'est l'exacte vérité. Vous savez, ne voyez pas les béquilles en moi. Comment on a banzété? Yamabaya. Toute personne sur laquelle vous vous appuyez, Montognonso. Vous savez que les béquilles servent d'appui. Et vous êtes à marcher. Vous êtes appuyé sur quelqu'un. Quelqu'un s'est tapé sur la poitrine. Il disait, si moi je ne fais pas, il va mourir. Ce matin, regarde la présence. Jette les béquilles. Tu peux marcher seul. Ce matin, solo, tu peux marcher seul. J'ai dit que ce matin, tu peux marcher seul. Je répète que ce matin, tu peux jeter les béquilles et marcher seul. Marcher seul. Jette les béquilles ce matin. Oui, mes frères. Que quelqu'un, un petit monsieur, c'est sur la poitrine et prennent la place de Jéhovah, manifester au temps de la fête. Frère Branham dit, la parole de la consolation, quand la parole devient un homme, ce sera la consolation de l'épouse. Et la parole est devenue un homme. Oui, mes frères, quand vous voyez cela, c'est votre consolation. Branham dit, les gens louent Dieu pour ce qu'il avait fait. Il loue Dieu pour ce qu'il fera. Mais il ne voyait pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Croyez ça de tout votre cœur. Ce matin, jetez toutes les béquilles. Tu peux marcher libre. Ce matin, pas un autre jour.
Amen. Tu peux marcher libre ce matin. Jette les béquilles. Marche libre. Oh, gloire à Dieu. Oh, un jour, il y avait une femme. Il y avait une femme qui s'est mourée. Elle avait un cancer de cœur. Avec un cancer, ne restez pas dans l'histoire. Soyez avec moi ici. Elle avait un cancer du cœur. Avec un cancer dans mon tête. Un cancer de foie. Cancer la foi. Un cancer de colon. Cancer la colonne. Elle s'est mourée. Pendant qu'on l'a mené à l'arène de Frère Branham, la vie l'a quitté. Comme elle voyait qu'elle mourait, elle a dit à son mari, à ceux qui l'a transporté, elle a dit: voici ma requête. Êtes-vous avec moi? Voici ma requête. Même si je mourrais, ma requête, amenez mon cadavre dans la présence. Elle savait que dans cette présence, la Vierge bourgeonne, la vie des saints. Même si je mourais, ma requête, ce n'est pas d'être guéri, mais d'être amené dans la présence. Amen. Et quand elle fut amenée dans cette présence, la vie est revenue. Elle est repartie marchant. Dans la présence de Dieu, des choses se passent. Un jour, il y avait une fille noire avec. Elle était parmi son père à une réunion de Frère Branham. Une fille noire avec. Mais restez pas dans l'histoire. Soyez avec moi ici. Cette fille est arrivée à la réunion avec son père. Rappelez-vous qu'elle était noire. Et dans la foule, elle a perdu son père. Écoutez sa requête. Elle a fait les bras dans les vides. Monsieur, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Je suis une fille avec. J'ai entendu parler de l'histoire de l'ange qui est apparu à Frère Branham et qui lui a dit d'amener les gens à le croire. Ma requête, j'ai perdu mon père dans la foule. Vous ne connaissez pas mon père. Vous ne pouvez pas m'amener vers mon père. Ma requête, amenez-moi à Frère Branham. Amenez-moi là-bas. Moi-même, je retrouverai mon père. Amenez-moi chez Frère Branham. Moi-même, je retrouverai mon père. Non, quelqu'un peut retrouver son père maintenant. Quelqu'un perd son chemin maintenant. Ma requête, amenez-moi à Frère Branham. Moi-même, c'est que cette femme, ça, si tu savais, que si je vais dans cette présence, je ne retournerai plus avec. C'était ça qu'elle confessait. Elle savait que je ne peux pas voir Frère Branham. Elle rentra avec. Elle avait la foi. Et ce n'était pas un simple homme. C'était la manifestation de la présence du Seigneur. Quelle écriture. Quel Dieu. Quelle merveille. Quelle fondation sûre. Le reste n'est que du sable mouvant. Nous, ce matin, sous cette présence, recevez votre transformation la plus totale et complète.
Ce matin, dans cette présence, je condamne chaque maladie. Je condamne chaque difficulté. Je condamne chaque dette. Je condamne chaque péché. Je condamne chaque souillure. Dans cette présence, je condamne la pauvreté. Je condamne l'échec. Dans cette présence, chaque maladie est condamnée. Oui, mes amis. Oui, mes amis, c'est votre indépendance. Soyez libre aujourd'hui. Libre de la maladie. Libre du péché. Libre des dettes. Libre du chômage. Libre du chédite. Libre de n'importe quoi. Libre de toutes ces choses. C'est l'indépendance. Qu'est-ce qui libère? La manifestation de la crainte du Sauveur. C'est ça votre indépendance. C'est ça votre liberté aujourd'hui. Aujourd'hui, mettez ce jour dans votre agenda. Mettez ce jour dans votre agenda. Si quelque chose ne se passe pas, alors Dieu a changé. Alors Dieu s'était trompé. C'est au mieux de ma connaissance. Le Dieu de William Branham ne se trompe jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il est vivant. Il est immuable. Dans la vérité, mes frères, aujourd'hui, quelque chose ne se passe. Oui, mes frères et sœurs, soyez indépendants aujourd'hui. Soyez libérés ce matin. Soyez libérés. Laissez la vie. Laissez avec abondance. Laissez avec abondance. Regarde dans ton cœur avec abondance. Oui, mes frères. C'est l'exacte vérité. C'est la vérité, mes frères. La présence est ici. Elle est ici, mes amis. Pour changer votre vie. Pour vous remplir. Pour vous vaincre. Oui, mes amis. Dieu est ici maintenant. Dieu est ici maintenant. Quel est ton problème? Quel est ton état? Dieu est ici maintenant. Quel est ton état? Quelle est ta condition? Quelle est ta condition? Il est ici maintenant pour te changer, pour que tu puisses bourgeonner, fleurir, et porter des fruits. Dans cette présence. Oui, mes frères et sœurs, élevons les mains. Chaque
La guérison est possible. La vie est possible. Le Saint-Esprit est possible. Le travail est possible. Une fortune est possible. Une maison est possible. Un capital est possible. Amen. Tout est possible. Better.
est à n'importe quel moment, notre pied ne heurte contre une pierre. Père Céleste, Dieu béni à jamais. Alors que nous sommes sous cette glorieuse présence, je prie ça de vraie voix. Que vos soeurs à des vraies voix. Que tous les saints d'autres enfants ont des vraies voix. Ils ont salué de loin. Quel privilège! Quelle écriture! Quelle parole! Quelle promesse! Quel Dieu! Quelle fondation sûre! Que de recevoir dans notre jour la manifestation de la présence du Sauveur dans une plus grande portion. Et dans cette présence, nous savons que même un morceau de bois mort qui est coupé de l'arbre, quand il est rattrapé en présence, il revit, il bourgeonne, il fleurit, il mûrit les amants. Notre Dieu est notre roi. Il nous a garanti par ton prophète que quand tu fais une chose dans une circonstance, sur une certaine base, chaque fois que quelqu'un viendra sur la même base, tu feras la même chose parce que tes décisions sont parfaites. Si dans ta présence, la verge a bourgeonné, si dans ta présence, Jacob a été changé, si dans ta présence, la femme, la Marie Magdala a été pardonnée, si dans ta présence, tout ce que nous avons vu ici s'est fait, dans la même présence, les mêmes choses doivent se faire. Dans la même présence, le pardon est libéré. Dans la même présence, les péchés sont pardonnés. Dans la même présence, les pécheurs sont lavés. Dans la même présence, la vie est accordée. Dans la même présence, les paralytiques marchent. Dans la même présence, les choses se passent. Dieu est l'amour et Dieu est le miséricorde. Laisse que cette présence devienne le Saint-Esprit pour celui qui le désire. La vie éternelle pour l'âme qui l'a manqué. La guérison parfaite. La santé de fer pour ceux qui étaient malades de fer, que devienne un enfant pour les foyers qui les désirent. Dieu d'amour et Dieu de corps. Que cette présence devienne la fécondité pour ceux qui étaient stériles, que devienne la faire prospère pour ceux qui faillissaient. Que cette présence devienne des voitures, des affaires, des travaux, des capitaux, des immeubles. Tu es notre Père et notre Roi. Des voyages, Père. Des missions les plus bénies. Des parcelles, Seigneur Dieu, les défends. Que cette présence infaillible demeure avec nous et nous accompagne. De sorte que quand nous serons en difficulté et que nous ne savons pas en sortir par nous-mêmes, que nous soyons confiants. Que la même présence nous élèvera au-dessus des circonstances et au-dessus des temps, Père Céleste. Dieu notre Père et notre Roi, merci pour ta présence. Merci pour la guérison. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la transformation. Merci pour la bénédiction, Père et Dieu. Seigneur Dieu, l'amour et Dieu les grâces. Que ce jour, Père, et cette réunion sur l'heure divin soit inscrite en lettres d'or dans l'agenda du cœur de tout un chacun. Afin que tu ne tardes pas, Seigneur, afin que chacun réalise que depuis cette réunion-là, les choses ont changé. Moi qui étais abandonné, moi qui étais méprisé, moi qu'on ne voulait pas saluer, moi qu'on ne voulait pas approcher, Dieu de l'amour et Dieu de miséricorde, il y a quelqu'un qui est venu dans cette présence. Dieu notre Père et notre Roi. Merci pour ta présence. Merci pour la bénédiction. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence. À toi la majesté. Dans tous les siècles. Nous voulons marcher avec cette présence. Que cette présence ne nous quitte pas. Qu'elle soit constamment avec nous. Parce qu'elle est infaillible. Qu'elle nous éloigne du péché. Qu'elle nous garde du mal.
qu'elle nous garde dans tes voies, qu'elle nous garde dans ton service. Alors que nous soyons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez parfumés. Oubliez le reste. Oui, mes frères et sœurs.
s'est pas amené lui-même, on l'a amené. Moi, je vous amène dans sa présence. Je vous garde à cette présence. Vous n'en sortirez pas. Oui, mes frères. Vous restez là dedans. Dans cette présence. Oui, mes frères. Oh, des femmes bénies. Des hommes bénis. Quelle indépendance, quelle liberté, quelle grâce, toutes les béquilles jetées. La présence est faillible. Elle est entièrement suffisante pour vous soutenir. Qu'elle soit votre appui. Quelqu'un vous abandonne. Il fait bien de vous abandonner. Parce que vous avez la présence de Dieu. Non, sortez demain sous cette présence. Vendez comme vous n'avez jamais vendu. Avec cette présence. Oui, mes frères et sœurs. Accorde la présence. Oui, mes frères. L'exacte vérité. Quelle présence. Quelle fondation. Je veux que vous compreniez que vous êtes sur une fondation. Et que tout le reste, c'est-à-dire tout le reste, c'est du sable mouvant. Quelle chose glorieuse nous sommes en train de considérer. Quel Dieu. Quel Dieu. Non, je vous vois au travail en train de demander quel Dieu. Quel Dieu. Recevez des missions. Recevez des promotions. Recevez des voyages. Oui, maître, vous n'avez pas besoin d'une prière turbo. Vous avez besoin de la présence. La présence est faillible pour des grands voyages. Pour des grandes missions, pour des grandes promotions, pour des grands emplois, pour une vie éternelle, pour une vie parfaite, pour une santé de fait. Frère Jimmy, sois en santé de fait. Sois en santé de fait. Quelle grâce. Cette présence, là où les médecins ont dit. Quelle présence. Quelle merveille. Quelle écriture. Oh, j'ai aujourd'hui le privilège de me tenir devant des gens bénis. Des gens heureux. Je me sens moi-même élevé. Je n'ai pas envie de quitter la chair même. Alléluia. Oui, mes frères. Ne vous agitez pas. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Que sa présence est faillible. Sois avec moi. Là où vous ne savez pas vous en sortir par vous-même. Vous allez vous agiter. Vous rappelez ce que la présence et la scène change. Et les portes souffrent. Amen. Soyez la tête et non la queue. Amen. Oui, mes frères.
voies est multiplié. Dans vos gros et petits bétails. Et tout lien que fera la plante de votre pied soit sous votre contrôle. Possédez le monde. Possédez le temps. Possédez les circonstances. Possédez le marché. Possédez les entreprises. Possédez. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes venu ici ce matin pour ça. Réveille-nous de ta puissance et de la foi pour savoir que ta présence est infaillible. Amen. Dans tout notre pèlerinage. Même si vous êtes avec une petite affaire comme ça, ne paniquez pas. Moïse avec un petit bâton. L'essentiel c'est d'entrer dans la présence. Le petit bâton peut faire de grandes choses. Il peut fendre la mer rouge. Il peut faire jaillir des eaux sur les rochers. Le petit bâton. Dans la présence. Et vous êtes dans la présence. Et vous, et vos femmes, et vos maris, et vos enfants, et vos affaires, et vos travaux, et vos projets, et vos programmes. Vous êtes dans sa présence ce matin. Et les ministres, et les huissiers, et les hommes d'affaires, et les filles et les garçons, dans la présence ce matin. Alors que je la cette présence. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. La journée. Comment abandonner la vie? Naza mwindu, mais naza kito. Jambe nalola asepeli nangai. Mosa kulinae akweli nga maya. Hallelujah! Quelle éclipse! Quelle fondation! Quel Dieu! Quelle parole!